Bonjour, je m'appelle Ashmi et je suis coach sportif depuis quelques années maintenant. J'ai décidé de faire mon intervention de greffe de cheveux, donc à Athènes. Je l'ai faite avec David du site Monsieur Cheveux, à qui ça s'est très très bien passé. Le résultat est là. Je suis complètement satisfait aussi de la densité de mes cheveux. Alors j'ai entendu parler de David de Monsieur Cheveux par rapport à un de mes élèves qui avait fait l'intervention en passant par ce site avant moi et qui m'a expliqué un petit peu tout ce qui s'est passé, comment il a fait, etc. Alors ma première rencontre avec David s'est faite au téléphone dans un premier temps. Ensuite, très rapidement, il est passé à mon travail. Pour une première prise de contact, donc avec une analyse de mes cheveux pour voir un petit peu ce qu'il fallait faire. Effectivement, j'ai eu des petites remarques, mais des petites remarques un peu, des petites vannes, ce genre de choses. Quand c'est sur le physique, on le prend toujours un peu mal, surtout moi, mon métier c'est l'image, je suis très dans le physique. Et finalement, j'ai été très surpris parce que la clinique elle était top, les nanas, des vrais mannequins, donc ça aussi j'ai été surpris. Ouais, super à l'aise, non, ça c'est. Ouais, tout de suite, dès qu'on arrive, on voit le côté pro, quoi. T'es vraiment sur quelque chose de haut de gamme. Ouais, ça m'a surpris, ça m'a rassuré tout de suite. Alors, les équipes, elles étaient très, très, très à l'écoute. Très aux petits soins, parlaient tous très bien anglais, même comme moi qui n'ai pas des grosses grosses notions en anglais, je me faisais comprendre, je comprenais. Non, la prise en charge elle est très bonne. Je pense qu'ils doivent savoir qu'on arrive avec des appréhensions, qu'on arrive, qu'on a peur, hein, qu'on flippe, hein, on va le dire. Je suis resté assez discret sur l'intervention, justement pour voir un petit peu les réactions, parce que si j'en avais parlé un peu à tout le monde, les réactions ne sont pas naturelles. Effectivement, les gens me disaient, mais quelque chose qui a changé. Je paraissais plus jeune déjà, parce qu'avoir un début de calvitie, ça vieillit. Donc je paraissais déjà un petit peu plus jeune, plus en forme, et j'avais ce genre de remarques. C'est qu'après, quand j'ai dit, en montrant plus tard photos avant-après, que mes amis, mon entourage, les gens au boulot m'ont dit, effectivement, il y a un gros changement. Alors aujourd'hui, je suis très content de ma greffe et j'ai envie de le refaire. Ouais. J'ai envie de le refaire parce que malheureusement, on continue à les perdre, on continue à perdre les cheveux autour. Puis je le referai avec la même équipe. Alors le premier changement que cette greffe a effectué chez moi, c'est une plus grande confiance en moi, tout simplement, parce que c'est une confiance que j'avais perdue. J'avais un peu l'appréhension du regard des autres. C'est ça que ça a changé, surtout chez moi. Hein. C'était une petite chose qui a changé des grandes choses. Et je suis même beaucoup plus satisfait maintenant qu'avant, parce que maintenant je sais que si jamais j'étais mené à reperdre des cheveux, il y a une solution pour ça. Et c'est ça qui est intéressant, donc je m'en occupe plus. Je conseillerais Monsieur Cheveux parce que je l'ai fait. Et que ça a marché, hein, tout simplement. Il n'y a pas plus à dire. La prise en charge était bonne, le contact avec David est naturel. Y a pas, y a pas, j'ai pas été jugé, j'ai été porté pas à pas jusqu'à l'aboutissement de mon projet. Je me rassurerais déjà, c'est ça que je ferais. Je me rassurerais en disant, écoute mon gars. Voilà ce qui se passe, t'es en train de perdre tes cheveux. En perdant tes cheveux, chaque petit cheveu qui tombe, c'est un peu de confiance en toi qui tombe avec. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est te prends pas la tête avec ça, il y a des gens qui savent faire, il y a des professionnels pour ça. Continue ta vie et puis mets ton budget de côté pour ça et lance-toi. Voilà. Tout simplement, donc, te prends pas la tête. Te tire pas les cheveux. Voilà ce que je dirais.